Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, je voudrais saluer tous très fraternellement, très cordialement, dans le précieux et saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons chanté des cantiques merveilleux et la chorale a chanté. Bien alors, la chorale a chanté et nous sommes reconnaissants à Dieu. Je voudrais aujourd'hui aussi remercier tous ceux qui, dans d'autres langues, écoutent la traduction. En cet endroit, nous ne pouvons pas malheureusement, d'ici de devant, traduire de 15 langues, mais nous avons des frères et cela est traduit subitement en 15 langues directement et tous peuvent suivre. C'est merveilleux de ce que Dieu a conduit les choses ainsi, que toutes les langues ici sont ici et que tous peuvent suivre ce qui est prêché dans sa propre langue natale. Que Dieu puisse bénir tous nos frères et être avec eux. Nous avons encore une fois quelques appels téléphoniques du frère Deo, du frère Ngonga, du frère Nyagi, du frère Jackson, du frère Bopé, du frère Inodi, du frère Cécile, du frère Mwemba, de Melbourne, de l'Australie. Il y a des appels téléphoniques qui viennent de partout. Et le frère Tati me disait aux connexions qui d'ici sont d'ici, il y a 996 qui se sont ajoutés. Encore en plus de ceux qui étaient directement connectés d'ici, il y en a encore 996 dans le monde entier qui se sont ajoutés à ce nombre déjà qui existait. C'est simplement merveilleux de ce que nous pouvons transmettre, ce que Dieu, par sa grâce, nous a accordé. Et tous nous savons, n'est-ce pas, que nous vivons dans un temps, nous sommes arrivés dans un temps particulier. Et je voudrais encore très rapidement saluer les frères dans le ministère qui prêchent la parole. Le frère Cosme Pra, nous l'avons justement déjà entendu lors de la consécration de l'enfant. Nous avons le frère Élie, le frère Eric, le frère Moïse, et nous avons le frère Emmanuel. Où est-il, le frère Emmanuel? Et le frère Michael est aujourd'hui ici. Le frère Noble Gill est aujourd'hui ici. Et oui, le frère Tati est aussi ici. Le frère John, le frère Daniel et tous les frères qui prêchent, transmettent la parole du Seigneur. Et bien, mes frères et sœurs, c'est ainsi tel que c'est écrit aussi dans Matthieu 24, verset 45 au verset 47. Pas seulement qu'il y ait un qui transmet la nourriture, mais tous les autres frères dans le monde entier transmettent la même nourriture spirituelle, distribuent. Et si nous regardons dans les Saintes Écritures, notre Seigneur a, n'est-ce pas, pris le pain, les pains, et les a brisés, les a rompus, les a distribués. Et des milliers ont mangé. Et 12 paniers sont restés de cette distribution. Dans un panier, le jeune avait apporté le pain, l'enfant, et 12, d'un panier de l'enfant, 12 paniers sont restés. Pourquoi? Parce qu'il y avait 12 apôtres. Pour que
ce que le Seigneur rompait pouvait être aussi distribué par les apôtres. Et c'est ainsi que les apôtres faisaient que distribuer ce qu'ils recevaient du Seigneur. C'est simplement merveilleux, bien mes frères et sœurs, quand on peut lire ce qui a déjà existé et qu'ensuite on considère ce qui a lieu encore aujourd'hui. Le frère Eugène Eugen Dansaisi me disait tout à l'heure au bureau, frère Franck, quand nous allumons les nouvelles, alors nous voulons, n'est-ce pas, entendre des nouvelles, des choses nouvelles. Nous voulons entendre ce qui s'est passé dans les derniers temps, dans les dernières heures, pas ce qui s'est passé il y a 40 ans ou bien 50 ans. Quand on allume les nouvelles, la radio ou bien quoi que ce soit, c'est parce qu'on veut entendre ce qui s'est passé là, maintenant, dans le monde entier, les événements actuels. Et c'est de ça qu'il s'agit aussi, bien frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, ce qui s'est passé dans la Réformation, ce qui s'est passé après la Réformation, ce qui s'est passé il y a 50 ans d'ici, tout est merveilleux. Et Dieu le Seigneur soit remercié pour cela. Mais nous voulons entendre, comme hier soir aussi, la parole d'Hébreux 12. Nous l'avons lu et entendu. Aujourd'hui, si vous entendrez sa voix, ça c'est Hébreux 3, verset 7, pas hier ou bien avant-hier, mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Et ensuite, n'est-ce pas, dans la parole d'introduction, cette parole merveilleuse de 1 Thessaloniciens 4 nous a été lue. Et bien aimés frères et sœurs, je peux vraiment le dire avec un cœur joyeux. Les expériences que Dieu accorde, et nous ne prions pas pour les recevoir. C'est dans la souveraineté de Dieu qu'il nous accorde ce qu'il a déterminé pour nous. Et quand, si je peux le mentionner rapidement, c'est une chose de parler, de lire concernant l'événement de l'enlèvement et de savoir que le Seigneur reviendra. Mais ensuite, c'est tout à fait une autre chose d'être couché sur son lit de mort, avoir été abandonné par la médecine et ensuite être poussé dans la chambre où on meurt avec un rideau à sa droite et un rideau à sa gauche. Oui, oui, et ensuite, subitement, cette expérience puissante d'être pris de son corps et d'être ravi dans un ciel bleu et de voir la foule des rachetés qu'on ne peut compter. Tous étaient jeunes, tous étaient habillés en blanc. Et de ces vêtements-là, il y avait une splendeur, un rayonnement. Et on montait de manière majestueuse, pas comme une fusée, mais doucement. Et bien, frères et sœurs, Dieu a fait en sorte que ce ne soit pas seulement que nous prêchons ces choses, mais que dans ce que nous prêchons, par nos propres expériences que Dieu, par sa grâce, nous a accordées, nous soyons pris dans la réalité de ce que nous prêchons. Ce n'est pas des théories ou bien des cours que nous donnons, mais ce sont des choses que nous avons vécues nous-mêmes dans la pratique, dans la réalité. Dieu nous a visités dans ces choses et nous les a laissé goûter. Et il nous a fait savoir que nous sommes une partie de ces choses et il nous a bénis. Encore une pensée. Aujourd'hui, nous allons aussi appeler notre frère de la langue russe, nous demander de nous chanter un cantique tout à l'heure. Nous estimons cela de ce que aussi il y a des frères de Grotno et de partout qui sont venus. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas, les réunions puissantes qui ont eu lieu étaient en langue russe et ukrainienne. Et nous sommes ainsi bénis richement et nous sommes liés avec l'Est de l'Europe, oui, avec particulièrement avec l'Est de l'Europe, oui.
particulièrement que le Seigneur soit simplement remercié de ce que de tous les peuples, les langues et les nations, il appelle à sortir. Et aujourd'hui, c'était aussi pour moi une surprise. Notre frère de Paris est venu simplement et a demandé, est-ce que nous pouvons chanter? Il y a un groupe de grand-mères qui voudraient chanter. Il y a 14, pardon, un groupe de Roumains ont chanté. 15 frères, 14 frères et un groupe de Roumains ont chanté et j'ai pleuré dans le bureau. C'était puissant. De tous les peuples, de toutes les tribus, de toutes les langues, le Seigneur appelle les siens. Et tous, nous retournons à Adam. Ça n'a pas d'importance d'où nous sommes nés sur terre. Notre origine est en Adam. Et encore cette remarque en ce qui concerne Jérusalem. Alors que j'avais vu la photo du président des États-Unis avec sa main posée sur le mur de lamentation, priant. Mais mes frères et sœurs, alors que après j'entendais que un programme lui a été montré comment est-ce que le nouveau temple sera et qu'un groupe lui a exposé que tout est déjà préparé, la construction du temple pourrait commencer. La maquette a été montrée au président des États-Unis et tout est en train de prendre son cours aussi avec Jérusalem et avec Israël. Nous sommes très reconnaissant au Seigneur. Et encore cette remarque. Le pays unique démocrate est dans toute la région. Tous nous savons que dans la Knesset, donc c'est le Parlement américain, Jude, il y a plusieurs députés et il y a différents partis, mais le parti arabe a 13 sièges dans la Knesset, dans le Parlement. Où est-ce que sur toute la terre cela existe? Et dans tous les peuples, les langues et les nations, ils ont 13 sièges dans le Parlement Israël, d'Israël. Et même où est-ce que cela existe encore? Dans un autre État ou bien dans un gouvernement où un juif pourrait avoir un siège. Mais chez les juifs, les arabes ont des sièges au Parlement. Il y a 13 arabes et ils ont un veto et ils ont le droit d'élever leur voix dans la Knesset. Et nous sommes reconnaissants de ce que Israël est conduit comme ça. Il n'y a pas à ne pas fixer des frontières, mais que tous ont le même droit. Ça n'a pas d'importance quelle race ils ont et quelle religion ils ont. Alors, revenons à ce qui nous concerne. Nous croyons de tout notre cœur, aussi en ce qui concerne ce que Frère Branham a dit. Si vous voulez savoir quelle heure il est, regardez à l'horloge. Si vous voulez savoir quelle date, quel jour de la semaine est, c'est regarder au calendrier. Si vous voulez savoir à quel point le temps est avancé, regardez à Israël. Et hier soir, nous l'avons mentionné, c'est une année de jubilé. 70 ans sont venus et sont passés depuis le fondement de l'État d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé déjà en 1946? L'action surnaturelle. Frère Branham en 1946 a été mandaté divinement. Et je me réjouis toujours quand j'entends cela. Comment est-ce qu'il raconte? Il peut raconter, témoigner qu'il était assis là. Il avait sa Bible sur ses jambes et il était en train de la lire. Quand subitement une lumière surnaturelle est entrée dans la pièce et l'ange de l'Éternel est sorti de cette lumière
et a foulé le sol. Et frère Branham a sauté. Et les premiers mots ont été: ne crains pas, ne crains pas, je suis envoyé à toi de la présence de Dieu pour te donner l'ordre, le commandement, le mandat qui est lié à ton ministère. Bien-aimés frères et sœurs, si on peut entendre cela avec ses propres oreilles naturelles et que ensuite on reçoit toutes les autres ordres et commandements et instructions et toutes les autres expériences surnaturelles, pas seulement qu'on ait entendu de ses propres oreilles naturelles, ou bien ce ne sont pas des choses qu'on dit les ayant entendues, mais les ayant expérimentées personnellement. Moi, j'ai connu cet homme de Dieu, j'ai bu ensemble avec lui, pris part à un repas ensemble, assis à la même table, mangé, etc. Et que ce soit aux États-Unis ou bien en Europe, tout cela fut la grâce de Dieu. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois, bien-aimés frères, pas que je ne l'aurais pas cru, mais j'ai entrepris ce voyage à Washington D.C. parce que frère Branham a dit que cette photo surnaturelle avec la lumière surnaturelle sur sa tête, qui est suspendu sur sa tête, est accroché à Washington D.C. Qu'est-ce qui me restait d'autre à faire que d'entreprendre un vol de New York à Washington pour chercher le bâtiment des arts? Et je remercie Dieu de ce que ces yeux-là ont vu cette photo-là avec la colonne de feu dans la galerie des arts là-bas, dans la galerie des arts à Washington. Bien-aimés frères et sœurs, j'avais simplement dans le cœur de ne pas seulement pouvoir dire l'homme de Dieu a dit, mais je voulais pouvoir dire avec conviction, l'ayant vu de mes propres yeux. Et c'est ainsi que je peux dire aujourd'hui, je l'ai vu de mes propres yeux, là-bas, cette photo telle que Frère Branham l'a dit. Et je suis reconnaissant que Dieu ait conduit les choses ainsi, à faire en sorte que cette relation entre moi et Frère Branham existait depuis le commencement. Alors qu'en 1949, j'avais entendu pour la première fois le nom de Frère Branham, de William Marion Branham en 1949. Cela a eu un écho déjà dans mon cœur, un écho. Et alors qu'en 1953, j'ai lu ce livre, Un homme envoyé de Dieu, bien de mes frères et sœurs. Alors, il n'y avait encore qu'une seule, pensée. Où est cet homme? Comment est-ce que je peux le voir et l'entendre prêcher? En 1953 déjà. Et alors, suivi 1955 et toutes les autres occasions de, n'est-ce pas, personnellement, entendre cet homme de Dieu et voir cet homme de Dieu. Et ensuite, à recevoir la révélation de la part de Dieu lui-même, que ici, il ne s'agit pas seulement d'un ministère, d'une assemblée locale. Et ça aussi, il faut qu'on le dise clairement. Dieu, dans l'Église, a établi différents ministères et dons dans l'Église. Mais ensuite, quand il s'agit d'un mandat, alors ce n'est pas seulement pour une assemblée locale, mais un mandat est lié à tout le plan du salut pour l'humanité. Alors Dieu, pour cela, adresse un mandat spécial qui est prédestiné avant même la fondation du monde dans son plan pour manifester. Et c'est pour cette raison que donc une commission. C'est pour cette raison que cette relation, n'est-ce pas, dans Romains 10 a été rétablie, comme c'est écrit dans Romains 10. Qui a cru à notre prédication et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Comment est-ce qu'ils doivent écouter sans que quelqu'un prêche?
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment auront-ils des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est ainsi que nous comprenons que Dieu a un dessein du salut, un plan de salut, et que tous, dans ce temps, nous sommes appelés à être informés des événements actuel et être mis, comme pour dire, à la page dans le royaume de Dieu et avoir part à ce que Dieu fait. C'est le temps de l'appel à sortir, de la préparation pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour cet événement, n'est-ce pas, nous avons différentes questions, la différence entre la nouvelle naissance et le baptême de cet esprit. Laissez-moi aujourd'hui, s'il vous plaît, encore une fois ici, dire cela clairement. Lors du baptême de cet esprit, en ce qui concerne le baptême de cet esprit, il ne s'agit pas seulement que tout dans notre cœur soit transformé, soit régénéré. Cela a déjà lieu par la nouvelle naissance. Mais par le Saint-Esprit, nous sommes baptisés dans un seul corps. Ainsi, l'union de l'Église est possible par le déversement du Saint-Esprit profondément dans l'amour de Dieu, les uns avec les autres liés. C'est ainsi que Paul pouvait dire, nous sommes un seul corps, et comme un seul corps a beaucoup de membres, c'est ainsi que nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. Et Christ est la tête, le chef de ce corps. Il est le chef, la tête de l'Église. Et aussi en ce qui concerne cela, bien vrai, et ce qui appartient à cela, on doit aussi aller dans Jacques 3 pour reconnaître, confesser, ou bien alors reconnaître pourquoi dans Jacques 3, lire et comprendre pourquoi est-ce que dans lors du baptême de cet esprit, la langue joue le rôle principal. Pourquoi? Parce que la langue, n'est-ce pas, est allumée par l'enfer. La langue est la chose la plus terrible qui existe sur terre. Notre langue, c'est la langue, un membre terrible. Et nous voyons déjà dans le jardin d'Éden les premières paroles que le diable, l'adversaire, a prononcées. C'est un semant du doute. Et celui qui lit dans Jean 3, la langue, n'est-ce pas, est allumée par le feu de l'enfer, comme c'est écrit. Et l'homme de Dieu dit que nous pouvons éduquer tout, nous pouvons maîtriser tout, mais aucun homme peut maîtriser sa langue. C'est peut-être la raison que le jour de la Pentecôte, ce sont des feux de langue, des langues de feu, pardon, qui sont descendues et se sont placées sur chacun d'eux pour rentrer en possession de notre langue et la mettre à la disposition au service de l'Esprit de Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit que dans d'autres langues, ils ont parlé. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui prie pour le baptême de cet esprit, qu'il puisse demander au Seigneur, pense à ce que Jean a dit. Jean priait, Jean disait, moi je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Le feu, ça appartient à cette expérience pour consumer et purifier entièrement notre langue et ainsi la placer au service de l'Esprit de Dieu. Celui qui demande le baptême de cet esprit, il devrait inclure cela et dire, Seigneur, prends-moi entièrement. Entièrement veut dire aussi ma langue, qu'elle te soit consacrée, qu'elle te soit mise à ton service, que nous puissions dire que ce ne soit pas que nous nous trompons nous-mêmes et pensons, je crois le message. Bien-aimés frères et sœurs, c'est déchirant le cœur de voir que des gens
qui ne savent même pas ce que c'est qu'une conversion, ne savent même pas qu'on n'a jamais expérimenté une nouvelle naissance, encore moins le baptême de Saint-Esprit, ensuite disent je crois au message. Je crois au message. Ils sont en train de parler du message, ils sont en train de parler du message, et tous, et n'est-ce pas, donnent leur propre interprétation au message qu'ils prétendent croire, comme notre frère, il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, dans une certaine ville, cela, il disait qu'il y a six différents groupes qui tous se réfèrent à Frère Branham. Qu'est-ce que c'est cela pour un témoignage pour le message? Dans la Bible, il n'y avait qu'une seule église dans chaque ville. À Corinthe, une église. À Éphèse, une église. À Colosse, une église. Il n'y avait qu'un seul rassemblement des vrais croyants dans toute la Bible, dans une seule ville. Aujourd'hui, tout se réfère, tous croient au message, se réfèrent à un homme de Dieu. Mais qui peut se référer à Dieu? Qui peut se référer à un mandat? Qui peut se référer à une constatation tout à fait normale dans le royaume de Dieu biblique? C'est pour cette raison qu'en cet endroit, nous devons mettre l'importance que nous devons être liés avec Dieu. Et ça, nous avons dans cet endroit toujours eu à le dire en insistant. Si un prédicateur ne peut pas réussir, si un prédicateur lit la congrégation à sa personne, il y a quelque chose de faux. Un vrai homme de Dieu, vraiment envoyé de Dieu, ne va pas tromper, sonner sa propre trompette et frayer un chemin à lui, mais prépare le chemin au Seigneur et lit la congrégation avec Dieu. Et comme nous l'avons entendu déjà directement dans l'introduction, le sang de l'agneau a coulé, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu le Seigneur lui-même disait lors de l'exode et l'appel à sortir du peuple de Dieu? Quand je verrai le sang, alors je passerai en vous épargnant. Un troupeau racheté par le sang, baptisé du Saint-Esprit, lavé et sanctifié dans la parole de la vérité. Un troupeau des prémices, ce sont ceux-là qui vont rencontrer le Seigneur dans les airs et qui seront enlevés. Aujourd'hui, il s'agit de ce que nous puissions tous faire ces expériences personnelles du salut avec Dieu. Et que aussi, pour le dire brièvement, en ce qui concerne l'ouverture des sept sceaux, Frère Branham a par exemple dit « Maintenant, l'agneau quitte le trône de la grâce ». Et les gens pensent qu'en 63, l'agneau a quitté le trône de la grâce. Mais Frère Branham a seulement décrit ce que Jean a vu sur l'île de Patmos. Il a fait que décrire ce qui est écrit. Quand cela va s'accomplir, ce qui est écrit. Il n'était pas en train de prêcher là-dessus. Il n'était pas en train de parler de ce que du temps, quand cela sera révélé. Non. Il était en train de parler de quand cela va s'accomplir. Et il ne voulait pas dire que cela s'est accompli déjà. Nous vivons simplement dans le temps où cela a été révélé. Et c'est ainsi que le Apocalypse 6 va tomber dans l'abstre de la grande tribulation. Et on doit aller, par exemple, dans Matthieu 10 et comprendre, par exemple, que notre Seigneur, aux disciples et aux apôtres, a donné l'ordre allez seulement aux brebis perdues d'Israël. N'allez pas aux nations. Et ensuite, dans Matthieu 28, il dit « Allez dans le monde entier ». Et qu'est-ce qui est écrit dans Ésaïe, chapitre 49, au verset 6 ? « Je te ferai devenir lumière des nations ». Et qu'est-ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, au chapitre 13, au verset 47 ? Là, Paul répète la parole du prophète Ésaïe, 49, verset 6. Je t'ai
destiné à être la lumière des nations. Et celui qui ensuite va dans Actes des Apôtres, le chapitre 22 et chapitre 26, il lit le mandat et l'appel, il reconnaît l'appel de Paul. Il lui a été dit, je t'enverrai aux nations pour que tu puisses leur ouvrir les yeux. Le temps était arrivé où toutes les nations devaient être incluses dans la prédication. On ne peut pas alors rester arrêté à Matthieu 10 et dire, le Seigneur a dit, n'allez pas aux nations. Et dire, personne n'a le droit d'aller prêcher aux nations. Non, on doit savoir pour quand et pour quel laps de temps et quelle saison, pour qui cela a été dit. Qu'est-ce que cela veut dire? On doit toujours être ravi par l'Esprit de Dieu dans le contexte de la citation que Dieu nous a laissée dans sa parole. Et je pense par exemple à 1 Corinthiens, le premier chapitre, où par exemple l'apôtre Paul a dit que Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. Et le grand homme de Dieu, William Booth, le fondateur de cette constitution-là, l'armée du salut. Il a pris cette citation de Paul et il a rejeté le baptême d'eau. Il a dit, Paul a dit qu'il n'a pas été envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. Donc il a refusé de baptiser, il a rejeté le baptême d'eau à cause de cette citation. Et en tant que grand homme de Dieu, il a rejeté le baptême. Qui peut comprendre, bien-aimés frères et sœurs, la compréhension juste pour chaque parole de Dieu est très importante, est tellement nécessaire de bien comprendre. Et c'est seulement par le Saint-Esprit, c'est seulement en étant conduit par le Saint-Esprit que nous pourrons bien comprendre aussi ce que frère Branham a dit, seulement comme ça. Encore quelques écritures que je veux lire. Tous remarquent que mes yeux ne sont plus, ma vue n'est plus comme elle était il y a 70 ou bien 40 ans. Mais ce qui est écrit, on peut encore le lire. Dans Apocalypse, le chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 27, il est écrit. Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres et être entièrement renouvelés, transformés. Nous sommes dans ce monde, nous devons rester normal, quotidiennement, aller à nos occupations, mais dans notre cœur, être dans la directe présence de Dieu et vivre la vie de Dieu. Les autres écritures de l'épître de Pierre aujourd'hui. Dans l'épître de Pierre, nous avons des choses puissantes que l'homme de Dieu, il y a 2000 ans d'ici, a dit et a écrit. Dans 1 Pierre, le premier chapitre, au verset 5, nous lisons, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les dernier temps. Autrefois déjà, il a écrit ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans ce dernier temps dans lequel nous sommes arrivés.
Il a déjà prêché ce que nous pouvons prêcher aujourd'hui dans le dernier temps. À vous, encore une fois, toi et moi, à vous, nous qui aujourd'hui sommes ici, nous qui dans le monde entier sont connectés et suivent, à vous, 1 Pierre 1, verset 5, qui, par la puissance de Dieu, ou bien alors en allemand, dans la puissance de Dieu, pas dans notre propre puissance, mais dans la puissance de Dieu, par la foi qui est devenu pour toi et pour moi une révélation, par la révélation, par la foi qui est la victoire qui a vaincu le monde. C'est par la foi que nous sommes liés avec Dieu. À vous qui, par la puissance de Dieu, dans la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé. Déjà autrefois, il dit, prêt à être élevé et révélé. Il y a 2000 ans d'ici. Mais ce salut va s'accomplir au temps de Dieu, au temps fixé de Dieu. C'est dans le temps fixé de Dieu que tout va s'accomplir. Et comme nous l'avons déjà dit en assistant hier soir, aussi le mandat et l'envoi du prophète, tout le monde entier passe en méprisant ce ministère. Mais c'est seulement les élus, seulement ceux qui vraiment prendront part à l'enlèvement, ce sont ceux-là qui sont vraiment déterminés à la vie éternelle et au festin des noces de l'agneau, qui prendront part au festin. Ce sont ceux-là seulement qui reconnaissent l'accomplissement de la promesse du ministère pour ce temps. Ce sont seulement ceux-là qui auront vraiment le respect et la crainte devant Dieu et accepteront vraiment ce que le Seigneur nous a promis dans sa parole. Tous les autres diront, oh, ils font que suivre un homme là, ce sont des Branhamistes ou des franquistes. Nous ne suivons pas un homme des États-Unis et aucun homme de l'Allemagne. Nous suivons notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Et sa parole est notre lumière sur nos sentiers. Et comme frère Branham souvent l'a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Et la parole de Dieu qui a été révélée est une lumière qui brille. Et c'est dans cette lumière-là que nous avons la grâce de marcher. Et ça, souvent nous avons eu à le dire. Celui qui marche contre la lumière sera ébloui. Mais celui qui marche dans la direction de la lumière sera éclairé. Et nous voyons les vierges, elles avaient des lampes. Elles avaient des lampes. Et la lampe éclaire seulement le chemin que nous avons à suivre. Et ça, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, il n'y a plus rien à voir contre moi ou bien contre la lumière ou bien contre... J'ai une lanterne que c'était avant. Si on a une lampe qui nous éclaire ici le chemin, on ne peut pas marcher contre la lumière. Ce n'est pas possible. Et les vierges avaient des lampes et marchaient dans la lumière. Et ensuite, il y a deux sortes, malgré tout, de groupes parmi elles. Les uns entreprennent tout le chemin dans l'obéissance et dans la foi avec le Seigneur. Prennent de la plénitude de l'esprit qui est dans le conduit, dans les vases. Ils n'ont pas seulement des lampes, mais ils ont une réserve. Et ils puisent l'huile et sont passés passent de clarté en clarté. Et c'est ce qui se passe dans nos jours. Pas seulement d'être éclairci, d'être éclairé, mais d'être rempli et d'être conduit du Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui sont les fils et les filles de Dieu. Être conduits dans toute la vérité par l'Esprit de Dieu. Ici, cet homme de Dieu écrit encore concernant ce salut qui par la grâce de Dieu, nous avons expérimenté. Et au verset 10 de 1 Pierre, l'homme de Dieu dit encore, 1 Pierre 1, verset 10 maintenant, ayant parlé de ce salut au verset 5, il dit maintenant au verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce
qui vous était réservé. On fait de ce salut dont il a parlé au verset 5, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu, de Christ. Et nous aussi, nous avons eu la grâce de reconnaître l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Nous avons pu reconnaître cela. Et ensuite, qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Maintenant, le verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs pour vous, pour nous aujourd'hui, autrefois à ceux qui vivaient du temps de Pierre, mais aujourd'hui à nous qui sommes ici et écoutons la parole, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous, autrefois les croyants, aujourd'hui les croyants, que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile. Il est écrit le mot maintenant. Ceux qui vous ont prêché l'Évangile. Le mot maintenant. Ceux qui vous ont prêché maintenant l'Évangile. Comment est-ce que quelqu'un peut prêcher si ce n'est qu'il est envoyé? Que vous ont annoncé maintenant. Ceux, faisons mention aux hommes en allemand, ceux, Frère Franck a insisté sur le mot ceux, qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, en allemand par la puissance du Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard, par la puissance. Bien-aimés frères et sœurs, c'est très important de voir de quelle manière Dieu nous a adoptés, nous a conduits dans tout le dessein du salut de notre Dieu par sa grâce. Et quand ici, nous continuons à lire, au verset 13 ensuite, nous continuons à lire, il est écrit ensuite, « C'est pourquoi, saignez, en allemand, achevez votre préparation spirituellement, enseignant les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. C'est merveilleux. Achevez votre préparation. Pas quelque chose de quelconque, mais ici, il s'agit de la révélation de Jésus-Christ qui, par la grâce de Dieu, nous a été accordé. Et ici encore au verset 18, il est écrit, au verset 18, ici il dit, vous savez, vous pouvez dire amen à cela, vous êtes convaincus de ça. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Quelle parole! C'est le plein évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et si nous lisons de tels versets, bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe en nous? Que nous puissions de tout notre cœur suivre et dire, bien-aimé Seigneur, que cela devienne ainsi tel que c'est écrit ici. Vraiment, le rachat par le sang de toutes nos vieilles natures, nos vieilles conduites et comportements et notre tempérament, que nous puissions être libérés de tout, transformés et marcher avec lui. Pas les deux ensemble, mais d'abord, être régénéré, être transformé, être renouvelé de tout notre cœur, comme hier, nous l'avons déjà mentionné, alors que le Seigneur disait à la pécheresse, tes péchés sont pardonnés. Et ensuite,
il a donné l'ordre et il lui a dit, va et ne pêche plus. De tout notre cœur, croire, accepter ce que le Seigneur nous a promis et ensuite, par sa grâce aussi, accorder. La parole connue dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, puisque vous avez été, en allemand, puisque vous êtes né de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Que le Seigneur soit remercié par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole est la semence qui est placée en nous, implantée en nous. Bien, frères et sœurs, la prédication a toujours le même objectif. Notre Seigneur est rédempteur, était la parole. Au commencement était la parole. Et il était la semence promise. Et la parole est devenue chair et a habité parmi nous. Et nous sommes dans le Fils de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu. Nous avons été en lui acceptés, reçus, en vertu de l'œuvre accomplie de la rédemption à Golgotha. Et c'est ainsi que nous avons reçu le même Saint-Esprit qui a en nous produit la nouvelle naissance parce que nous avons cru et reçu la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre âme comme semence. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit vient en toi et en moi pour créer la nouvelle vie en nous. Nous pouvons remercier Dieu, et au verset 25, nous lisons dans 1 Pierre chapitre 1, au verset 25, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et c'est cette parole-là qui vous a été annoncé comme évangile, ou bien par l'évangile en allemand, comme message de salut. Bienheureux sommes-nous si avec une conscience pure et un cœur pur, nous pouvons dire la parole que Dieu nous a confiée, nous l'avons laissé dans son original, dans sa forme originale. Nous n'avons pas ajouté une interprétation à cette parole. Nous l'avons laissé dans sa forme originale. C'est comme nous l'avons dit hier soir, la différence entre les interprétations et la signification. En allemand, c'est un même mot, on peut faire un jeu de mots. Dieu ne nous a donné pas l'interprétation, mais la signification de ce qu'il a dit dans sa parole. Il nous a révélé le sens, pas une interprétation que nous inventons et que nous apportons. Non, et bien, mes frères et sœurs, voilà, nous avons nécessairement encore, obligatoirement encore lire dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre, nous devons encore lire, et du premier chapitre déjà, 2 Pierre, chapitre 1, le verset 16. Car ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Pas des fables. Et vous pouvez vous imaginer quelle douleur me pénètre quand des frères se référant à frère Branham prêchent et distribuent et propagent toutes sortes de doctrines. Frère Branham a été envoyé, c'est pour nous ramener à Dieu, à la parole de Dieu, à l'original, au commencement.
il n'a pas été envoyé pour appeler à l'existence une nouvelle direction de foi ou bien une nouvelle religion. Mais c'est pour nous lier avec Dieu, nous ramener à Dieu par sa parole et par son esprit. C'est ainsi que le troupeau racheté par le sang sera lié avec Dieu. Le troupeau racheté par le sang sera lié avec Dieu. Pas une seule interprétation, mais aucune interprétation sera crue de nous. Aucune. Pas une seule. Et bien, frères et sœurs, alors que l'ouverture des sept sceaux se tenait pas loin, était proche, et que frère Branham, 6 mois avant, il lui a été révélé, n'est-ce pas, ce qui allait arriver 6 mois avant l'ouverture des sceaux. Et la nuée surnaturelle descendrait, et que les 7 anges en forme de pyramide dans cet ange seront. Et il décrit cela exactement en détail, ce qui est arrivé alors qu'il était là-bas dans la montagne, sur la montagne, 40 miles de Tucson. Et quand il les raconte, ce qui s'est passé dans le contexte de cette nuée surnaturelle et dans le contexte de l'ordre qu'il a reçu du Seigneur, il y avait eu une telle tempête qui a visité la région, un tel tremblement de terre et 7 détonations de tonnerre furent entendues. Et de cette nuée surnaturelle, du 7e ange dans cette pyramide d'anges, il lui a été dit, retourne à Jeffersonville, car l'ouverture des sceaux aura lieu. Et quand ensuite on entend qu'il y a des frères qui ont inventé une doctrine des 7 tonnerres, ils vont dans Apocalypse 10 et ils considèrent tout comme déjà accompli. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous pouvons être reconnaissants. Aussi, en ce qui concerne ce point, moi-même, avec le frère Green et plusieurs prédicateurs, je suis allé là-bas dans la région. J'ai vu de mes propres yeux les arbres, les bouts des arbres, tous étaient courbés. Et les rochers, je les ai vus comme ça, qui s'étaient écroulés qui avaient roulé de la montagne, parce que le tremblement de terre était si puissant. Mais ensuite, de comprendre que nous ne pouvons pas faire une doctrine de cette tonnerre, mais que cet événement-là, pour frère Branham, avait une telle signification en relation avec l'ouverture des sceaux, s'il vous plaît. C'est peut-être raison que nous sommes reconnaissants de tout notre cœur. Aujourd'hui aussi, encore une fois, j'ai apporté avec moi le Science Magazine, le magazine Le Science, où tous les croyants, particulièrement James McDonald, un homme à l'université de Tucson, a écrit un exposé. Et ici, il a décrit la nuée, comment est-ce qu'elle a apparu, et ensuite que frère Branham a reçu l'ordre le 28 février 1963 de retourner à Jeffersonville. Il l'avait, n'est-ce pas, sa maison à Tucson. Il a déménagé à Tucson parce qu'il lui avait été dit que c'est à Tucson, pas loin de Tucson, que cela allait s'accomplir. C'est pour cette raison qu'il a dû déménager à Tucson et que ces 7 anges dans cette nuée surnaturelle apparaîtront. Il a changé son domicile. Il est allé à Tucson et ensuite l'ordre lui avait été donné. Et plus tard, c'est accompli. Et nous pouvons être reconnaissants, n'est-ce pas, de ce que frère Branham, nous avons eu la grâce de bien comprendre tout et de laisser les choses à leur contexte, dans leur contexte et à leur place. Et à ceux qui sont là pour la première fois, encore une fois, voilà le journal de l'époque. Déjà, même le journal le plus important aux États-Unis, il a été décrit. Et décrit ce qui s'est passé en février en 1963. Voilà le journal de l'époque.
parlant dans un magazine d'incroyants, il a dit, pas de croyants, d'incroyants. Hein? Et un repenteur incroyant a parlé de ce que Dieu a fait. Ce n'est pas passé quelque part dans un coin. Le monde en a entendu parler dans un journal le plus connu aux États-Unis. Et frère Branham, avec ce professeur-là, Dr. McDonald, a parlé et il lui a expliqué ce qui est lié à cela. Mais le monde méprise ces choses. Il ne peut pas comprendre cela. Mais pour nous, car qu'est-ce qui est écrit dans le prophète Daniel, au chapitre 12? Scelle le livre jusqu'à la fin des temps. Pas pour toujours, mais jusqu'à la fin des temps. Daniel 12, pas pour toujours, mais jusqu'à la fin des temps. Mais quand ce livre sera révélé, Dieu va nous ouvrir l'intelligence pour les Écritures. Résumons de quoi il s'agit aujourd'hui ici, c'est-à-dire que tous ceux qui ont accepté le Seigneur comme leur sauveur personnel, que tous puissent expérimenter aussi une conversion et marcher dans l'obéissance de la foi en se laissant d'abord baptiser d'eau et ensuite continuer à marcher avec le Seigneur en nouveauté de vie. Vraiment. Encore aujourd'hui, après cette réunion, un baptême peut avoir lieu. S'il y a des frères et des sœurs qui sont ici et qui veulent se laisser baptiser. Car c'est ainsi que c'est écrit. Tous ceux qui ont accepté sa parole se sont laissés baptiser. Si aujourd'hui tu as accepté sa parole, laisse-toi aujourd'hui baptiser. Confirme par l'obéissance la foi que tu as reçue. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu'il nous a donné cette possibilité-là de baptiser aussi. Bien, mes frères et sœurs, nous devons prêcher tout le dessein de Dieu. Tout. Ce qui nous appartient, c'est-à-dire ce que Dieu, par sa grâce, nous a accordé, la pleine rédemption, le plein salut, le plein pardon, la grâce et le salut. Et nous pouvons, avec Paul, avec une bonne conscience, dire, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et en tant qu'ambassadeur de Christ, nous disons, soyez réconciliés avec Dieu. Et celui qui est réconcilié avec Dieu sera aussi réconcilié avec son frère et sa sœur, les uns avec les autres. Le mur de séparation a été ôté. Et nous avons expérimenté ce que le Seigneur, déjà dans l'Ancien Testament, a promis. Et si vos péchés sont noirs comme le cromasi, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu a fait ces promesses-là déjà dans l'Ancien Testament et lors de l'alliance faite avec le sang de l'agneau. Le peuple et le livre ont été aspergés du sang. Le livre avec la parole de Dieu et le peuple, les deux ont été aspergés du sang de l'Alliance. C'est bien de lire Exode du chapitre 19 jusqu'au chapitre 24 pour savoir ce qui s'est passé autrefois. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, lire Matthieu 26, verset 26 jusqu'au verset 28. Ceci est mon sang. Et cela aussi, on peut le dire aujourd'hui. Vous savez ce que les églises croient, que, n'est-ce pas, le sang dans la coupe est transformé en sang. Le vin est resté vin. Il n'est pas transformé en sang. C'est dans le sang de l'agneau que nous sommes rachetés. Mais déjà dans l'Ancien Testament, c'était interdit de boire du sang et de consommer du sang. Et dans Actes des Apôtres, cela fait partie des quatre interdictions qui ont été données dans Actes des Apôtres. Et le Seigneur voulait parler de son sang, le sang que lui, il verserait. Il n'a pas
Donc verser la coupe, il a versé son sang. C'est pas le vin qu'il a versé, c'est son sang qu'il a versé. Son côté a été ouvert et c'est avec son sang qu'il est ensuite monté dans le sanctuaire céleste. Nous n'avons pas besoin de mal comprendre, ne serait qu'un seul verset biblique, mais de nous laisser révéler le contexte par Dieu, et ensuite de nous soumettre à la volonté de Dieu et au plan du salut de notre Dieu. Résumons ensemble bien, frères et sœurs. Tout a lieu en son temps. Quand nous parlons du rassemblement d'Israël, des peuples, et que ensuite notre Seigneur dit si vous voulez voir que cela s'accomplit, levez vos têtes. Quand vous voulez que cela s'accomplit, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Nous l'avons mentionné tout à l'heure, 70 ans, ça fait 70 ans depuis 48 que l'État d'Israël a été fondé. 72 ans, ou bien alors depuis 1946, ça va faire 72 ans que Frère Branham, de manière surnaturelle, a été mandaté. Et il lui a été dit en 46, tel que à Moïse, deux signes ont été donnés, c'est ainsi que à toi aussi, deux signes seront donnés. Nous avons déjà parlé de ça. Qu'est-ce que c'était avec le ministère de Moïse? Laisse aller mon peuple. Et ensuite, laisse sortir mon fils pour que la parole puisse s'accomplir. Que d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Mes frères et sœurs, quand on considère la prophétie biblique et ce que Dieu a fait avec Israël, et que nous voyons tout ça dans tout le conseil du salut de Dieu, c'est vraiment merveilleux. Qu'est-ce qui est lié avec le ministère que Dieu a donné à Frère Branham? C'est la même chose. C'est le même objectif. Laisse sortir mon fils. Fini avec l'esclavage. Fini une fois pour toutes. Laisse sortir mon peuple. Laisse sortir mon fils pour qu'il me serve. Laisse sortir mon premier-né. Je suis heureux de ce que le mot premier-né est écrit en relation avec Israël et l'appel à sortir de Exode, chapitre 2 et chapitre 4. Au Seigneur soit la reconnaissance. Bien-aimés frères et sœurs, notre Seigneur et Rédempteur est le premier-né entre plusieurs frères. Et par la grâce de Dieu, par la nouvelle naissance, nous avons reçu le droit de naître de la part de Dieu lui-même. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit le mot « Tous nous avons le même Père, le même Père ». Et notre Seigneur pouvait dire « Je monte vers mon Dieu, vers votre Dieu, vers mon Père et vers votre Père. » Bien-aimés frères et sœurs, le plus grand appel, la plus grande vocation que Dieu pourrait donner, la plus grande position, c'est d'être fils et fille de Dieu. C'est de faire de nous des fils et des filles. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous sommes profondément liés avec lui. Nous croyons chaque parole de Dieu. Et parce que nous croyons chaque parole de Dieu, c'est peut-être raison que nous avons la confirmation que nous sommes nés de Dieu, que nous sommes de Dieu. Jean 8, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Et ensuite, adressé aux scribes et pharisiens, vous ne pouvez pas supporter ce que je dis parce que vous n'êtes pas de Dieu. Je peux vous donner cette certitude pour votre vie. Tous ceux qui maintenant de tout leur cœur croient que le retour de Seigneur Jésus-Christ est très proche, comme nous l'avons lu hier déjà, et aura lieu en son temps, nous avons compris que avant le retour du Seigneur, le dernier message retentit.
Vous, mon peuple, sortez de milieu de ne toucher à rien d'impur, séparez-vous, et ainsi je vous serai père et vous me serez fils et fille. Et je serai votre Dieu. Le message de la séparation, de l'appel à sortir, de la préparation, retentit maintenant et va vers sa fin à tous les peuples, les langues et les nations. Et ils ont été tous atteints, les Écritures sont accomplies, l'Évangile a été prêché à toutes les nations comme témoignage. Et nous l'avons encore insisté, et alors la fin viendra. Alors pas en 1963, la fin viendra, et pas non plus en 1965, alors que Dieu avait repris Frère Branham. Ce n'était pas la fin de toute chose, mais c'est seulement depuis 65 que le message qui lui avait été confié est allé dans le monde entier, a été porté dans le monde entier. Le dernier appel retentit et celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que tous les frères, dans tous les peuples, les langues et les nations, restent sobres, normales, équilibrés dans la parole de Dieu et prêchent seulement ce qu'ils peuvent lire noir sur blanc dans la Bible. Seulement pour votre information, vous savez que j'ai traduit les prédications de Frère Branham. Et ce ne sont pas seulement des jours et des heures qui ont été nécessaires, mais des années qui sont passées aussi, phrase pour phrase, mot pour mot. Et je me réjouis à chaque fois quand je suis à Zurich et que je vois cette table remplie de brochures avec toutes les prédications de Frère Branham qui ont été traduites en allemand. On peut les prendre, les lire. J'ai fait les deux choses. Comme le Seigneur me l'a ordonné, d'aller de ville en ville pour prêcher sa parole et aussi de distribuer la nourriture qui a été emmagasinée. La nourriture a été aussi distribué. Et comme je le disais hier soir, ça va faire 70 ans depuis que j'ai consacré au Seigneur ma vie. 55 ans sont passés dans le mandat direct de ministère de notre Seigneur. Nuit et jour, j'ai apporté ma contribution, ma part. Et je peux dire avec bonne conscience, maintenant tu laisses aller en paix ton serviteur, car mes yeux ont vu l'accomplissement de ce que tu as promis. Le Dieu vivant soit la louange. Nous tenons dans la directe volonté de Dieu, dans le direct mandat du Seigneur, sous son direct ordre. Et pour prêcher clair comme le cristal sa parole dans sa forme originale. Et tous ceux qui sont de Dieu l'écouteront, la croiront et la recevront révélée. Elle leur sera révélée. Il n'y aura plus ces différentes directions, ces différents groupes et divisions. Il n'y aura qu'une seule direction. C'est-à-dire, ayant le but devant ses yeux, et comme Paul l'a écrit aux Philippiens, nous qui avons le but devant nos yeux. Et par la grâce de Dieu, nous avons un objectif à atteindre lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Être prêt, voilà notre objectif, être prêt pour aller au ciel. C'est peut-être raison que nous nous rassemblons. C'est peut-être raison qu'on peut dire. Et c'est peut-être raison qu'il faut qu'on le dise en le répétant. Rassemble-moi, mon peuple, a dit le Seigneur, pour qu'il puisse écouter mes paroles. Et aussi ce week-end, cela s'est accompli, que nous avons écouté la parole de Dieu, nous l'avons observée, nous l'avons prêchée, nous l'avons considérée, nous l'avons entendue, et que chaque parole, avec respect et avec crainte, nous la recevons
Et de tout notre cœur, nous remercions notre Dieu pour cela. Comment est-ce que quelqu'un peut prêcher sans être envoyé? Et ensuite, ce mot important, ma parole, dit le Seigneur, ne reviendra pas sans, ne restera pas sans effet, si ce n'est qu'elle ait produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et il a envoyé sa parole et les a guéris. Aussi toi et moi, nous avons été guéris par la parole de Dieu. Et cela fait partie du troupeau racheté par le sang. Un bain, un lavage dans la parole, de prendre un lavage dans la parole, pour être lavé de toutes les taches et les souillures qui sont sur nous à cause des interprétations qui ont été prêchées, pour nous laver de tout ça, de toutes les pensées et les opinions humaines, et devenir une épouse, parole, que l'époux qui était la parole devenue de la chair, et la parole devenue chair, que l'épouse devienne aussi la parole devenue chair, et semblable à l'époux dans ce temps. Voilà l'objectif du message. Remercions le Seigneur pour le sang de la nouvelle alliance. Remercions le Seigneur pour le rachat, pour le pardon. Remercions le Seigneur pour la guérison qu'il nous a accordée et aussi pour la délivrance. À notre Dieu soit la louange dans toute éternité. Alléluia. Amen.